Ça, c'est de la dentelle au fuseau. Dentelle au fuseau. Alors, vous en trouvez dans le Puy-en-Velay. Vous en avez à Villedieu-les-Poêles. Ah oui, c'est le modèle. Voilà, vous avez ça là-bas. Et chaque région a son motif, j'allais dire. Et là, qu'est-ce qui est typique dans le motif ? Le typique, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le point d'esprit. C'est ce qui fait la façon d'avoir des feuilles. Ça, c'est un arbre. Hein. J'ai fait ça comme ça. À l'endroit, il est comme ça. Hein. Voilà. Comment il se présente. Voilà. Bon, mais ça, j'ai choisi les couleurs qui vont, mais ça se trouve. Oui. Donc, c'est les fils qui sont constamment croisés avec des. Ce qu'on appelle. Voilà. Uniquement croisés. Donc, ici, celui-ci s'appelle un point d'esprit. C'est un des plus compliqués. Vous avez le point de corde. Voilà. Ici, vous avez du mat. Et ici, vous avez de la grille. Donc ça, c'est uniquement la manière de vous croiser les fuseaux. Mmh. Vous croisez vos fuseaux, vous faites deux torsions ou une torsion. Si vous faites deux torsions, vous faites deux torsions comme ça, ça vous donne cet espace. Hein, vous faites ça et comme ça. C'est croisé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Mmh. Hein, c'est croisé. Je vais vous le dire plus lentement parce que c'est vrai que ça paraît... Là, vous travaillez toujours avec donc 4, donc une paire. Voilà. Comme ça et comme ça. D'accord. Et là, vous avez plusieurs motifs en cours parce qu'avec tous les fuseaux... Voilà. Alors là, j'ai plusieurs motifs en cours pour faire ceci. Il me faut 4 fuseaux bien distincts parce que ceux-là sont là, vous voyez, ils sont là, c'est quatre qui sont là. Ça, c'est deux là, ces quatre-là sont ce point. D'accord, ouais, je vois. Voilà. Ceux-ci vont aller à l'intérieur. Vous voyez, ils sont retenus par derrière. Et quand je fais un motif comme ça, je sors, c'est-à-dire que je travaille uniquement ici avec 4 fuseaux en moins. Et ces 4 fuseaux ici, je les bloque pour faire ce dessin. Et je rentre à nouveau dans celui-ci. Et je les lâche pour refaire la même chose, pour revenir là. Une fois qu'il est terminé, je décloute. Comme vous dites là, j'enlève toutes les épingles. Qui sont là. Les fils qui sont coupés, parce que là, j'ai fait en deux fois. J'ai fait une partie comme ça et une partie comme ça. Et ma partie est raccrochée chaque fois avec un crochet. Il est rattaché ici. Celle-ci a été arrêtée. Donc les fils avec lesquels j'ai travaillé sont là. Vous les avez coupés. Ici, ils sont là, voilà. Ils sont coupés. Mais je ne peux pas les lâcher tant que je n'ai pas terminé le tout, parce qu'après, il faut que je tisse les fils qui sont coupés, il faut que je les tisse à l'intérieur pour qu'ils ne s'en aillent pas. Et comment vous faites? Vous prenez l'aiguille? Une aiguille, et c'est passé entre chaque. De façon à être pas visible du tout. Voilà, pour que ça ne soit pas visible. D'accord, je comprends. Et une fois qu'ils sont visibles, alors je peux donc travailler sur cette largeur-là, et je les ai coupés comme ça, ce sera... Et après, je peux déclouter, je peux enlever tout, et je pose pour faire un cadre.